Eh bien salut tout le monde, c'est moi les premiers et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo pas comme les autres. Alors aujourd'hui je vais vous présenter l'Oculus Rift. Alors tout d'abord je tiens à remercier Oculus Rift de m'avoir envoyé ce petit bijou. Donc je les remercie. D'ailleurs pour toutes les personnes qui sont intéressées, ils ont lancé le Summer of Rift qui va bientôt terminer. Donc ça veut dire que l'Oculus Rift plus les Touch, vous voyez, il y a l'Oculus Rift plus les Touch pour un total de 449 €. C'est une grosse réduction, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller dans la description. Il y aura un lien où vous pouvez, pour les personnes qui sont intéressées, vous pouvez avoir l'Oculus Rift. Donc voilà. Les gars, c'est la première fois que je vais tester un casque réalité virtuelle. J'ai toujours voulu faire ça, c'était toujours un kiff, mais voilà. Aujourd'hui, j'ai la chance, donc je remercie encore Oculus Rift de m'avoir envoyé ça. Donc je répète, toutes les infos sont dans la description. Ils ont lancé un truc pour l'été là, donc Summer of Rift. Tout est en description, donc n'hésitez pas à aller checker la description. Alors on va tout de suite regarder à quoi ça ressemble. On va le déballer. Voici la boîte, on va l'ouvrir, hop là. Donc on va tout de suite installer ça. J'ai des petits jeux à tester et on va voir ce que ça va donner. C'est la première fois que je vais tester un truc comme ça les gars, ça va être magnifique. Allez, je vais tout brancher et on se retrouve juste après. C'est parti les gars, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai pas de micro là. On est sur le jeu Rick and Morty, vous savez le dessin animé là, très connu. Mais bon, moi je vais pas vous casser, j'ai jamais regardé ce dessin animé. Mais ça avait l'air d'être fun ce petit jeu. Donc je me suis dit, y a moyen qu'on se tape des barres. Donc regardez. Oh là là les gars, c'est un truc de malade. Ah, c'est un truc de dingue les gars, c'est un truc de dingue. Oh, oh, oh. On dirait que je suis vraiment dans un autre monde, putain. Je suis dans un dessin animé. Bon là, qu'est-ce qu'il faut faire, je ne sais pas. Il y a un disque là-bas. On va aller le prendre. Voilà. Je pense qu'il faut le mettre là-dedans. Voilà. Et on met play. Hey y'all, this is Fast Food Fred. And I'm talking today about VR pressing the menu button. You know, bon, c'est en anglais, les gars. Every controller has some kind of... Voilà. C'est parti, les gars. J'ai pris ce jeu parce que ça avait l'air d'être un petit peu fun. Donc voilà. Donc on va le tester. Après, j'ai un autre jeu. On va tester un autre jeu après, d'accord. On teste d'abord celle-là. Wow! Holy crap, Rick! You made a Morty clone, Rick! Yeah, I know. I had to rearrange the entire garage to do it, Morty. Morty clone, pay attention to me. I need you to take this laundry and put it in the washing machine. If that's too confusing of instructions for you, you know there's a dry erase board on the that I put up in the garage here. Dry erase board area. You'll see I wrote instructions on what you're supposed to do. You! Je crois qu'il veut que je fasse la machine là. Comment on fait Ah d'accord. On ouvre. On va mettre ça dedans. Mais il est dégueu le mec. C'est moi qui fais ces vêtements là, putain. Regarde-moi le slip. Putain. Ah excuse. Désolé. Allez, je le mets à l'intérieur. Ok. On prend, on ouvre. Eh, c'est stylé. Allez, on met tout, on met même le on met même le truc là, on s'en bat les steaks. On met tout à l'intérieur, voilà. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? On met sur... Ah, je sais pas, moi, vas-y. Voilà, c'est bon. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Oh. What? On est où? On est où là? Il y a le téléphone qui sonne. Allô? Putain, je comprends pas l'anglais les gars, dommage. Mais ça allait d'être cool. Alright, listen, I made a teleport system for you. All you have to do is, you know, look in the direction you want to go in the room and push the A or X button on your controller. Just push the button down and teleport to any part of the room. Ah, désolé, oui, bien sûr, oui, j'ai tout compris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Point at an area you want to go to in the garage, like, let's say, over by the shelves, and then press down on the A or X button and you'll teleport there. Oui, c'est bon, casse-toi, je sais pas ce qu'il veut. Ah d'accord. C'est quoi ça? Ah, c'est pour se téléporter, d'accord. C'est pour se téléporter. I'm gonna need you to grab the watch and put it on your wrist. You'll be able to call me using the watch. This is very important. All right, Morty clone. D'accord. OK, oui. Come
Come on, Rick, we gotta hurry. Allez, casse-toi. Right, Morty, alors, ah, c'est pour se téléporter, d'accord. Ok, ok, ok. Oh, tu pars où? Ouais, il va où? Monsieur! Ah, il y a une montre ici. Eh, j'ai une montre. Attends, on va changer de montre. Oh, good, you found the watch. You're not as dumb as I thought. Okay, use that to call me back once you get the lay of the land. Ah, je sais pas ce qu'il m'a dit. Ah, j'ai une montre maintenant. Oh! Oh! Oh, excuse. On va te remettre en place. Voilà. Ni vu ni connu. Ah, casse-toi. Ça c'est quoi? Portail. Oh, rien. Putain, les gars, c'est stylé, putain! C'est la première fois que je. Eh, y a une balle ici. C'est quoi ça? Ah, il fait comme moi. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Bon ben les gars, je suis perdu un petit peu. Je crois que tout est écrit là-bas sur le tableau, on dirait. Out of a car. Ok. Alors, ouais, faut regarder là, faut regarder le tableau. Putain, pourquoi c'est pas en français, dommage. Delivery. What, c'est quoi ça? Il y a un truc là-bas, mais je peux pas m'avancer. Je peux pas me TP. Je crois qu'il faut faire ça. Hop là. Lancer là-bas. Et comme lui fait le même mouvement que moi, il peut récupérer. Ah mais je l'ai jeté trop près. Vas-y, casse-toi. Allez. Voilà. Là, tu prends par terre, voilà. Et tu le jettes. Ouais. Je l'ai. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh merde. Oui, j'ai cassé quelque chose. Oh great, they don't make them like they used to. Probably a good idea not to order these off of Lord's list. Il faut se taper là-bas, je crois. Où est-ce qu'on est, alors, les gars? C'est quoi ça, putain? On dirait qu'on est dans la boue, putain. What the fuck? Bon, on va boire un petit coup, les gars. Oh, merde, je l'ai écrasé. Bon, ok. Attends, on visite un petit peu, hein. Ça, c'est quoi? What? Non, ça marche pas. Et ça, on peut l'ouvrir, ça? Oh merde! Oh merde, excuse! Oh merde! Oh non! Attends, on va digérer tout ça. Dégage, dégage. Allez, dégage, dégage. Bon, bref. Oui, bon. Apparemment, faut aller sur l'ordi, hein. Ah ouais, on peut bouger l'ordi. Il faut fermer toutes les fenêtres, là, attends. J'ai tout pété là, alors on va voir ce qu'il y a. Alors, je sais pas si vous voyez encore les gars, mais... C'est quoi ça? C'est ça qui a fait foirer. Et ça aussi. Et il faut que je fasse quoi avec? Peut-être que je le mets ici? Je sais pas. Ok, ok, ok. Ok. Y'a quoi? Y'a ça aussi? Donc je sais pas les gars ce que je suis en train de faire. Ah, il y a un truc ici. Check out my microverse machine. Oh, je suis où là? You'll never see anything like it anywhere. What the fuck? Putain les gars, je suis dans un monde mais incroyable. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, c'est ici le batterie. D'accord, il faut charger le batterie, d'accord, ok, j'ai compris. Bon, ok, voilà, ok, il est en train de charger.
Eh les gars, c'est un truc de fou, c'est pareil. Là, il recharge, regardez en haut, il recharge. Oh, excuse, attends. Il faut que j'arrive à suivre, quoi. Oh, excuse. Voilà, c'est chargé à 100%. Je crois que je dois la ramener. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Initiating reverse safety. Oh, on arrête ça. Oh, j'ai un portail. Oh, je rentre dedans. Oh, je suis dans l'espace, les gars. Oh, attends. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dévisser. Voilà. Après, on peut ouvrir. Oh, putain, regardez! Hey, j'ai le vertige, je vous jure! Hey, les gars, je vous jure, j'ai envie de tomber. Je ne sais pas où je suis. J'ai essayé d'avancer pour voir. Bon bref, allez, on va attaquer, hop là. Alors, attends, on va enlever tout ça, voilà. Ah, il n'y a plus de batterie, voilà, j'ai compris maintenant. On revient. J'ai compris, allez, on va re-aller. Je reviens. J'ai déjà rechargé la batterie là-bas. Voilà, voilà, il est là mon batterie. On repart, on commence à comprendre les gars. Voilà, on actionne. Putain, ça va, on commence à comprendre. On referme le portail. Voilà. Je crois qu'on avait juste besoin d'une. Hein. On va y aller. On va se taper là-bas. On pose ici. On ouvre. Voilà. Le fusible, celle-là il est pété, on peut le jeter. On prend ça et on le met en place. Voilà. Pour le fusible, c'est bon. On a fait ce qu'on a fait. Après, il manque. Waouh, mais voilà. Je sais pas si vous me voyez, les gars. Si vous me voyez pas, c'est pas grave. Mais voilà le truc. Ça t'explique ici. Où est-ce qu'on peut trouver? Voilà, regardez où est-ce qu'on peut trouver. Là, il te dit. Il y a une traque. Wow! Attends, c'est quoi ça? Il y a un sous-sol, les gars. Attends, on ferme ça. On va ouvrir le sous-sol. Hey, be careful, come on, Morty. There's a monster down there. Wow. He's not really dangerous, he's just an asshole. Ok, attends, on va essayer de comprendre. Metal apple. Une pomme en métal. Et carotte. Marteau carotte. D'accord. Donc, il faut. Là, il a besoin d'un. D'un pomme métal et d'un carreau d'un marteau carotte. Et ici ça t'explique comment. Attends on va le prendre. Alors ça t'explique ici. Alors A plus B égale AB. Ah d'accord, c'est ça que ça sert. Par exemple brocoli plus. Brocoli plus métal, plus ça fait métal brocoli. D'accord. Donc on va mettre. On va essayer de fabriquer le marteau carotte et la pomme apple. D'accord, j'ai compris. D'accord, j'ai compris. Tu peux le prendre. Oh, excuse, je le remets en place. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, voilà. On va essayer de ne pas tomber. Hein. Ok, on ne pas de tomber. Bon, on va se débarrasser de tout ça. Alors, il veut d'abord une pomme métal. Donc, on va chercher la pomme. Je pense que c'est dans le frigo. Voilà, une pomme. Oh, j'ai... Je pose la pomme, voilà, et du métal, ben, la boîte ici, voilà. Ah voilà! Attends, ça on dégage. Regardez la pomme, waouh! Non, je plaisante. Attends, on va fermer ça, et comment il faut faire? J'ai jeté moi. Ah, nickel! La pomme c'est bon. Allez, marteau, toi tu peux dégager. Hop là. Bon.
Marteau, c'est ici. Ah, ta bouche, toi, arrête de parler là. Laisse-moi, je suis là. Je comprends rien ce que tu dis. Bon, le marteau, marteau, carotte. Toi, pourquoi tu trouves? Ah, d'accord. Oups. Voilà, on se dégage ça. Toi, tu te fermes, d'accord? On te verra après. Alors, carotte. Et en plus, j'aime bien les carottes, moi. Voilà. Putain, les gars, ça. Pas ça va, c'est trop stylé. Je kiffe le jeu. Oh Marteau carotte, ouais. Attends, on va le tester quand même. Mais pourquoi il nous casse la tête avec tout ça? Où est-ce qu'on est là? Ouais, je le donne. Voilà. Ah là, c'est bon, nickel. Ouais. C'est bon, on a terminé. Ah voilà, il m'a jeté quelque chose là. Ah, c'est ici. Donc ça c'est bon, ici. Voilà. Voilà, nickel. Alors maintenant il nous manque ça. Cristal. Le cristal. Ah, c'est ici le cristal. Mais voilà. Putain, mais il était juste devant nous. Voilà. Putain, voilà, là ça remarche. Oui, qu'est-ce qu'il y a, patron? Bon les gars, je pense qu'on va changer de jeu, on va jouer à notre petit jeu, on va tester vite un autre petit jeu. Et si vous voulez, la prochaine fois qu'on continue la suite, vous me dites, d'accord? Allez, on se retrouve sur un autre jeu, allez, à tout de suite. On se retrouve sur un autre jeu super hot. C'est un jeu comme Matrice. Il faut tuer des sortes de robots, vous allez voir, c'est vraiment stylé. Si on bouge pas, ça vient en ralenti. Et quand on bouge, ils redeviennent rapides les robots. Donc vous allez voir, c'est stylé, et on peut se taper des barres, croyez-moi. Donc c'est parti. Alors voilà, regardez où on est, oh, regarde ma main. Waouh. Wow. Les gars, j'ai l'impression, je vous jure, j'ai l'impression d'être dans un autre univers. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment, voilà, j'ai l'impression que je suis pas chez moi. C'est un truc de fou, le casque réalité virtuelle, c'est un truc de malade. Ça te fait revivre quelque chose de malade. Donc voilà, il faut s'insérer une disquette. Ah, où est-ce qu'on insère la disquette? Ah, ici. Voilà. Il faut mettre le casque sur la tête, voilà. J'espère que vous me voyez bien. Je vais bouger comme un fou. Allez, c'est parti. Bah. Oh, il n'y a plus rien. Voilà. Donc là, vous voyez, si je bouge pas, c'est en ralenti. Regardez comment c'est en ralenti. Mais si je prends une arme et que je bouge. Ah. Regarde là-bas. Oh, oh, oh. C'est bon, j'ai tous bité. Oh. 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 Oh non, je me suis fait buter. Bon, attendez, c'est la première fois, donc c'est normal. Hein. Attention. Oh, trop stylé. Attention. Je me baisse. Wouh, c'est bon. Alors, on bouge pas, on observe un petit peu. Il n'y a rien à l'arrière. Tout est là. Alors on va prendre ça. On va le tuer d'abord lui. Il a une arme. Nickel. Super. Wow. Super hot. Allez, on continue. Ouh. Je crois qu'on a réussi le premier épreuve là. Oh, on change. Rien. Y'a rien derrière. On continue. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Ouh là 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 là, c'est grand. Hein. C'est grand. Bon, on va prendre ça. On va essayer de le viser là-bas. C'est bon, je l'ai eu. On esquive, regarde-moi toutes ces munitions. Il y a une arme ici. Wouhouhou. Eh, le truc, c'est un truc de fou, les gars. Faut faire vite. Oh. Oh. Oh, merde. Oh. Merde. On respire les gars, c'est pas mal ce jeu. Ça fait du sport. Bon, lui.
Oh putain. Plus de munitions. On va essayer de lancer ça. Oh, oh putain. Oh non. Oh putain. Oh putain. Je l'ai niqué. Super. Oh, c'est bon, on a avancé. Oh, ça fait transpirer. What the fuck. Oh dur. Allez. Oh 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 oh. Oh shit. Oh les gars, y'a plein de balles qui arrivent là. Oh je l'ai eu. Putain. Putain c'est trop stylé. Bon. On va pas se casser la tête. Il y a lui là d'abord. Qui est menaçant. Ensuite il y a lui. Et personne à l'arrière. Il y a lui là-bas. Oh shit. Je suis encerclé. Oh non. Et ben voilà, vous avez compris un petit peu le principe du jeu. Ça fait du sport celle-là par contre hein. Je transpire mais ça fait du bien quoi. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu, ça décoiffe aussi. Donc c'est la première fois que j'intègre un jeu. C'est comme si, je suis désolé les gars, mais c'est comme si qu'on est dans un autre univers. Avec ce casque, on a l'impression, mais vraiment l'impression qu'on est dans un autre monde. Et ça change, j'aurais jamais cru que j'allais autant kiffer. Je kiffe à mort. Si je vous dis que je kiffe, putain. Les personnes qui auront ce casque Oculus Rift, vous n'allez pas regretter, je vous jure. Oh là, on a tellement l'impression d'être dans le jeu. Et ça, ça fait du bien. Moi, gamer, ben, être dans un jeu virtuel, dans un jeu, quoi demander de plus? N'oubliez pas de lâcher un petit like. Et pourquoi pas la prochaine fois faire un jeu d'horreur. Un jeu d'horreur, ça peut faire flipper. Donc n'hésitez pas, si vous êtes chaud, lâchez un petit like, d'accord? Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et tous les liens sont dans la description. Allez, ciao!